Bonjour. Où est le palais? C'est non loin d'ici. Si vous prenez l'avenue et vous tournez à votre droite, la deuxième courbure à votre gauche, c'est là que ça se trouve. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénisse aussi. Attendez. Puis-je vous parler pendant un moment? Pas de problème, monsieur. Je pense que vous ne connaissez pas et je suis Père Madoka. Oh, Père! Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Mais peut-être c'est le dessein divin. Dieu a un message pour vous. Ok, Père. D'accord, Père. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Bien sûr, Père. Vous êtes enceinte. Son nom est Obiora. Il a perdu son père il y a quelques mois. Et il est le né de sa famille. Et tous les membres de sa famille avaient mis de l'espoir en lui. Voilà pourquoi il avait nié cette grossesse. Quand tu lui en avais parlé. Tu n'es pas au courant de ça. Et je ne suis pas prête à le dire à ma mère. Dieu est en train de vous parler au travers de moi. Et tu te prépares ensemble avec ta copine à pouvoir avorter cet enfant. Et Obiora vous soutient parce qu'il ne veut pas avoir un enfant. Écoutez-moi, jeune femme. L'avortement est un grand péché contre un innocent, contre un enfant vulnérable. Je ne peux pas le garder, oh. Moi, je ne peux pas. Sinon, ma mère va me tuer. Ma mère va me tuer, je ne peux pas. Qui est Esther? C'est la grande sœur de ma mère. Qu'est-ce qui était arrivé à Ezeni, sa deuxième fille? Elle est morte en essayant d'avorter son... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La même chose ne peut pas m'arriver! La même chose ne peut pas m'arriver! Mais je ne peux pas garder cet enfant! Je ne peux pas non plus mourir en gardant ces bébés! Je dois l'avorter! Je peux pas! Non, je ne veux pas le garder! Votre destinée est entre vos mains. Votre foi est également entre vos mains. L'avortement est un grave péché à la vue des dieux. Comment es-tu au courant de ma grossesse? Comment es-tu au courant à propos des innés? Comment? Cela devait être un secret familial. Comment peux-tu en être au courant? Comment? Rien ne reste caché devant Dieu. Non, 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 non. Non. Le fait que vous avez décidé de me rendre visite dans mon palais, cela montre que vous avez beaucoup de respect pour la culture. Et j'apprécie beaucoup cela. Uguaku est une communauté très très intéressante. Nous avons une merveilleuse culture, des merveilleuses traditions. Et ce qui nous rend spécial dans tout ça, nous sommes très spéciales dans l'accueil des nouveaux visiteurs. Oui, nous sommes vraiment vraiment très hospitaliers. Alors, je peux vous garantir que vous aimerez votre séjour ici. Merci votre majesté. Afonyanya Wekel. J'avais appris de cela avant que je n'arrive. Et maintenant que je suis ici, je l'ai vu de mes propres yeux. Merci. Pendant que vous accomplirez vos tâches, si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à me le faire savoir, d'accord? Je dois m'assurer de créer une atmosphère qui vous permettra de réussir dans ce que vous êtes venu faire. Merci, votre majesté. Et je ne pense pas qu'il y aura un problème qui sera plus grand que mon Dieu. Quand j'étais dans mon ancienne paroisse, à Amos, Dieu m'avait assisté à résoudre tous les problèmes que suscitaient leurs coutumes et traditions. Bien. Et je sais que le même Dieu m'assistera ici. De toutes les façons, j'aurai toujours besoin de vos gardes. Je m'assurerai à ce que vous l'ayez, père. Je vous en donne ma parole. Mon père, nous avons joint nos cœurs du fait que vous êtes ici pour aider notre peuple. Spécialement les jeunes, à connaître Dieu. Et l'effort à les pousser à connaître la chrétienté
demande vraiment d'être encouragé. Oui. Comme Hugo l'avait dit, du moment où vous êtes entré au palais, avant que vous ne vous mettiez, nous avons beaucoup appris sur vos exploits à Amos. C'est pour cette raison, nous, le peuple d'Ubuako, vous prions de vous considérer comme un membre bonifié de cette communauté. Et nous vous demandons de faire votre mieux, d'aider particulièrement les jeunes. Alors, mon père, vous êtes libre d'interagir avec n'importe qui vous choisirez. Vous remarquerez que les gens seront vraiment très anxieux de vous offrir n'importe quel service que vous demanderez. Et oh, une chose. Notre peuple est vraiment très sensible avec sa culture et sa tradition. Vraiment très sensible. Si seulement vous restez loin de cette zone, je pense que vous aimeriez votre séjour ici. Parce que voyez, il suffit pour eux de voir quelqu'un qui est habillé comme vous l'êtes. Ils ont la sensation que une genre d'opposition vient d'arriver. Et ils seront déjà sur leur garde. Alors, laissez-les faire, laissez-les agir comme ils ont l'habitude de le faire afin de ne pas avoir de problème avec eux. Merci, Votre Majesté. Je vous promets que je ne m'interférerai pas aux us et coutumes de ce peuple. Mon voyage pour Ouago n'est pas une coïncidence. Dieu m'a envoyé ici pour un but. Et je veux travailler selon son plan. Oh, c'est bien. Hey, mon père, j'ai faim. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien du tout. Boromere. Comment peux-tu dire rien du moment où tu connais la source de ton problème? Et maintenant que tu dis que tu as faim, c'est pour la nourriture ou de l'alcool indigène? Ah, manger, la nourriture. La nourriture. Alors écoute-moi très bien. Si tu étais possédé, j'aurais prié pour ta délivrance. Si tu étais malade, j'aurais prié pour ta guérison. Mais ton problème n'est pas spirituel. Il est purement physique. Tu l'as causé de toi-même. Et tu es le seul à mettre un terme à tout ceci. Chai, mon père. Tu demandes aux gens de l'argent pour manger. Et une fois qu'on te les donne, tu l'utilises pour acheter la bière. Chai, mon père. Tu viens à peine de dévoiler mon plus grand secret, apparemment. Mais ma mère, elle était partie d'ici à 10 heures et sa fille est arrivée à 15 heures. Demain, c'est Noël, ou bien vous savez pas. Joyeux Noël, père, ou encore bonne année. Puisqu'on vient d'entrer en 2090, on entrera aussi en 2091. En bonne santé. Mon père à moi s'occupait de l'entreprise de Pont des Arts. Ponto. Allez, oubliez ça, mais j'aurai de l'argent plus que lui. Je serai son héritier. Bien, je n'ai pas d'argent à te donner. Mais comme tu as faim, je peux te donner le pain pour soulager ta faim. Merci beaucoup, vous avez du pain pour moi, du pain pour moi, du pain pour moi. Arrête de fumer. Arrête de fumer. Arrête de fumer. Viens ici.
Viens ici, tu veux blaguer avec moi? Merci, ma maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es engrossée. Maman. Ok, tu peux parler. Maman, c'est... Ma soeur, qu'est-ce qui te retient? Elle risque de te frapper, oh, parle. C'est qui? Qui t'a engrossée, je te demande? C'est qui? J'attends la réponse. Je t'écoute. Regarde, ne gaspille pas mon temps. Ne m'énerve pas, maman, dis-moi, qui t'a engrossé? Sois calme, apaise-toi. Apaise-toi. Grande sœur, me parle, non? Oh, mais qu'est-ce que tu attends? Parle, parle. Gagne le temps, non? Avant qu'elle ne perde contrôle. Tu n'as qu'à parler. Non, je vais sortir. C'est toi qui la mets en colère. Tu n'as qu'à parler. Qui t'a engrossé? Dis-moi. Dis-moi, parle. Parle. Viens ici, viens ici. Tu es ma fille. Qui t'a engrossé? Qui est le responsable? Qui? C'est qui? Tu veux me mentir? Dis-moi, je suis ta maman. Maman, c'est Obiora. Quel Obiora? Le seul que tu connais. C'est lui que je t'avais interdit? C'est lui que j'avais demandé de lui quitter pour ton bien? C'est cet idiot de Obiora? Qui t'a fait ça? Oui, maman. Ah! Ce n'est pas un problème. Viens ici. Viens, vas-y, vas-y. Maman. Viens ici, maman. Dis Obiora. Maman, tu vas-y. M'arrête, non, maman, toi. Maman. Hey. Laisse-moi tranquille. Obiora t'a engrossé. Maman. Hey. Oh mon Dieu. Je l'avais dit, oh. Obiora qui n'a même pas un travail. Obiora que je t'ai interdit à plusieurs reprises. Hey. Maman, pardon, maman. Donc tu veux mettre au monde dans ma maison? C'est impossible. Fais sortir sa valise. Viens avec sa valise. Fais vite. Mon Dieu. Maman, oh. Hey. S'il te plaît, non? Donne-moi, donne-moi. Fais vite. Prends ça. Vas-y. Va chez Obiora. Va chez Obiora. Je suis là pour voir Obiora. Pour qu'il finisse ce qu'il a commencé. Nemo, calme-toi. Ada. Maman. Ndozi est au courant? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'est pas pris d'avoir un enfant maintenant. Les hommes sont pareils. Il est assoiffé, hein? Il doit prendre la responsabilité de cette grossesse. Il doit le faire n'importe quoi. Maman, maman, on ne prend pas de décision à la place de Obiora. Tu sais comment il se comporte, non? Attends, n'importe quoi. Comment il se comporte? Ça me concerne à quoi? Je n'ai pas un problème avec son comportement. Obiora, Obiora, irresponsable. Mais je suis là, il doucement. Va me trouver ici. Juste dis-lui que je ne veux plus répéter ce que je viens de dire. Je ne viendrai plus ici pour la deuxième fois parce d'accord, que si je l'ai fait, il ne m'aimera pas ce que je s'il viens te plaît, de faire. S'il te plaît, vas-y doucement. Je vais parler avec lui. Oh, d'accord. S'il te plaît. D'accord. Calme ton frère a engrossé ma fille et tu ouvres encore ta bouche là pour parler. Vas-y doucement. Qu'est-ce que tu connais toi? Qu'est-ce que tu connais? On finira aussi par t'engrosser toi là. Hey. Et qu'est-ce que tu connais à propos de ça? Stupide. Tu ne elle connais pas entendu. Comment parler. Tu ne peux pas rester calme. Elle est ta grande sœur. Regarde, regarde, ne m'énerve pas. C'est qu'il a commencé. Toi, il doit ne moque pas d'elle. Hey, calme-toi. Moi, je pars à la maison. Où est-ce que tu vas? Rentre là-bas. Tu avais besoin du mariage. Vas-y là-bas. Si je te vois dans ma maison, je vais te tuer. Viens, viens là. Quand ton mari viendra, on trouvera une solution. Oh. Mais laisse-moi l'aider à faire entrer son sac à la maison. Hey! Maman, qu'est-ce qu'elle fait ici? Non, maman. Qu'est-ce que cette fille vient faire ici? Non, calme-toi. Non, 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 maman, ne me dis pas de m'asseoir. Je ne veux pas m'asseoir. Obiora, viens t'asseoir. On va discuter tranquillement. Viens t'asseoir. Maman, je l'ai déjà dit ici. Je ne suis pas responsable de cette chose qu'elle porte dans son ventre. Oui, j'en ai déjà parlé. Et oui, même si c'était moi qui avais planté cette semence dans son ventre, j'ai déjà dit ici plusieurs fois que je ne suis pas prêt pour la responsabilité. Hey, hey. Oui, qui fait ça? Est-ce que c'est par force? Tu dis encore.
Retourne vite à la maison de ton père. Tu dis encore, je dis retourne vite à la maison de ton père. Obiola, arrête de faire ces bêtises. Maman, je te l'avais dit. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu connais? Obiola. Obiola, il faut avoir honte de toi. Quand quelqu'un te regarde, il croit que tu as grandi. Hein? Obiola, as-tu considéré ton âge avant de nier cette grossesse? Cet enfant t'appartient, mais tu le rejettes. Obiola, regarde cette façon irresponsable que tu agis à son égard. Cette innocente fille passe des moments durs. La dernière chose que je t'interdis de faire, ce sont ces mots méchants que tu lui dises. Maman, j'ai dit ce que je pense. Rien d'autre. J'ai dit ce que je pense. Qui peut faire ça? C'est quoi ta décision? Obiola, c'est quoi ta décision? Tu ne sais pas que tous ces pays ici-bas, Obiola, tu as une sœur, Chidima. Elle est ta sœur. Si c'était elle, qu'est-ce que tu allais faire? Hein? Au lieu de la traiter d'une pite, montre-la l'amour. Même si tu ne veux pas l'épouser. Hein? Écoute, tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Je te l'ai dit. Maman, il faut que je te dise que tu ne peux pas me convaincre. Tu as échoué. Cela ne marchera pas pour toi. Chidiogo, je vais sortir. Et avant que je ne revienne dans cette maison, Chidiogo, disparais. Sinon, ce que je te ferai, tu ne vas pas l'apprécier du tout. Ça te fera encore plus mal, Chidiogo. Qui peut faire ça? Et je ne plaisante pas du tout. Chidiogo, retourne vivre chez ton père maintenant. Hein? Si je sors d'ici, je retourne ici. Et je te vois encore ici, Chidiogo. Je te promets que je te ferai très mal, je te dis. Hey, et je ne plaisante pas arrête-toi là. Ce n'est pas une blague. Je ne plaisante pas. Retourne chez ton père. Pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai déjà parlé. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. On verra ce qu'il fera. Il ne voit pas son âge pour faire ce genre de bêtises. Il reviendra me trouver ici. Dit, ne pleure pas. Laissons-la partir et revenir. Tu resteras ici. Ce bébé l'appartient. Bienvenue. Où avais-tu dit que Chidiogo était parti? Naï, Chidiogo est disgracié. Pourquoi tu dis ça? Chidiogo est enceinte. Hé, tu n'es que né. De qui? De ses bons à rien. Obiora. 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 C'est bon à rien. C'est lui qui a engrossé ma fille. Un garçon stupide. Et où est-elle maintenant? Je l'ai laissée chez Obiora, oui. Et où? Je l'ai laissée, oui. Elle doit finir ce qu'elle a commencé. Ego, pourquoi, Nao? Pourquoi tu posais un tel acte? Hein? Pourquoi tu pris une décision pareille sans m'avoir attendu? Nao, je suis désolée. J'ai fait ce qui était essentiel. Laisse-la partir. Ego. Ego. Daria. Tu as tort. Tu n'as pas bien agi. C'est ton unique fille. Pourquoi as-tu laissé ta fille dans la maison d'un homme? Hein? Premièrement, tu ne l'aurais pas abandonnée dans un faux mariage. Simplement parce qu'elle avait commis une erreur. Tu devais être encore une très petite fille. Ne prenez pas en compte sa taille et sa masse. Et tu connais sa maman. Tu l'es, bien sûr. C'est nous qui sommes à blâmer. Nous sommes ses parents, particulièrement toi, sa maman.
Tu me condamnes? Oui. Comment? Toi, parce que tu n'es jamais présente. Naï, épargne-moi. Quand tu avais découvert qu'elle sortait avec ces garçons-là, qu'est-ce que tu avais fait? Je l'avais grondé. Tu l'avais pris pour un acquis? Je ne l'ai pas fait. Naï, ne dis pas des choses que tu ne connais pas. Si tu... C'était le moment pour arrêter cette relation. Mais tu, Joka, n'a pas voulu m'écouter. Mais si tu avais exercé suffisamment de pression, il est clair qu'elle aurait cédé. Mais on n'en serait pas là. Hein? Elle est là, tu peux l'appeler. N'importe quoi, tu es rentré. Tu verras ce que je te ferai, stupide. Chidiogo. C'est bien. Ne pleure pas, ma fille. Je suis désolé, ma fille, de t'avoir rendu la vie dure. Hein? Ça ne va plus arriver. Alors, rentre dans la maison. Je ne peux jamais permettre à ma fille de mettre au monde dans ma maison. Je ne peux jamais le permettre. Cela ne se fera jamais. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Aménité. Tu l'as déjà bien compté, exact, ça. Exact. Tout est complet là-bas. Mmh, c'est complet. Il n'y a même pas un air qui manque là-bas. Non, rien de manque. Oui, je suis un homme de parole. Ouais, je sais que quand il sera temps que tu me rembourses cet argent, on ne va pas avoir de problème. Non, non, ça n'arrivera pas jusque-là, non. Écoute, je suis un homme d'honneur. Hein? Merci beaucoup pour... C'est juste ce que tu viens de faire pour moi. Ah, tu ne comprendras vraiment pas. Grand frère, j'insiste à que tu ne donnes pas cet argent à Eminike. Tout le monde sait comment il se comporte. Je ne suis pas sûre qu'il sera en mesure de te les rendre. Eminike, tu as entendu ça? Écoute, En fait, j'ai décidé de fermer toutes mes oreilles, celles de gauche, celles de droite, face au conseil de ma petite sœur. Alors que nous avons compté cet argent. S'il te plaît, quand il sera temps que tu viennes me payer mon argent, apporte-le-moi comme je l'ai donné. Je ferai cela. En paquet, tout ensemble. En paquet? Pas une partie. S'il te plaît. Merci. Je ne te décevrai pas. Merci. Je ne te décevrai pas. Merci. Merci. Merci infiniment. Non, c'est rien. Hey. C'est rien. Non, ce n'est rien. J'allais mourir de faim. Qui peut faire ça? Oh, Biora. Qui peut faire ça? Je dois partir maintenant. C'est bon. Hein? Okudiba. Okay. Okudiba, prends bien soin de toi, d'accord? Hein? Deux mois. Ne t'en fais pas. Deux mois. Sais, deux mois. Je sais que tu vas me surprendre. Dans moins de deux semaines, tu me rendras cet argent. Grand frère. Toi là. Mais pourquoi tu es contre tout ça? Je ne considère jamais mes conseils. Pourquoi tu es contre tout ça? Il n'y a pas de problème. J'ai juste fait mon point, ok. Vas-y, entre à l'intérieur avant que... Vas-y, entre dans la maison. Chibiora, comment tu vas? Je t'avais vu hier transportant un très grand bidon d'eau. Tu sais que tu es enceinte. Et ce n'est pas une très bonne chose pour ta grossesse. Mais le problème, c'est ma mère. Elle n'est pas contente de ma grossesse. Raison pour laquelle elle me stresse tous les jours. Ok, je vais voir ta maman. Dis-lui que je passerai le soir. Je le ferai, mon père. Je vous dirai. Père Chidiogo est enceinte dans son ventre et non dans sa tête. Elle peut transporter l'eau, faire le marché et tout autre travaux qui peut se présenter dans la maison. Il n'y a rien comme problème là. J'ai fait ce qu'une mère pouvait faire. J'ai pris soin d'elle. Alors que je ne savais pas que ma fille était en train de sortir avec un idiot comme Obiora. Qui est Obiora? Il n'a pas honte de sa famille. Laissez-les danser sur la musique. Donc, vous voulez qu'elle rentre? Laissez-la rentrer. Et où est mon problème? Où est mon problème dans ça? Non. Je voudrais que vous sachiez que la grossesse n'est pas le seul critère du mariage. Oui, elle a commis une erreur. Mais vous avez une part de responsabilité en tant que mère. Et quand un homme met une femme sur un chemin comme celui-là, ça ne veut pas dire qu'ils doivent se marier. Voilà l'erreur que beaucoup de nos familles commettent. Et ils poussent les gens à se retrouver dans un très mauvais mariage, où ils s'en vont souffrir pendant toute leur vie sur Terre.
Donc Obiora serait reconnue responsable de son acte en prenant soin d'elle et de l'enfant pendant la période post-natale. C'est tout ce que nous attendons d'un homme qui met une fille dans un état comme celui-là, plus particulièrement quand il ne s'aime pas suffisamment pour se marier. Sachez que les gens ne peuvent pas les pousser à se marier. Obiora l'a engrossé. Et maintenant, il reste avec moi. Et où est mon problème? Mais si c'est pour la prendre, ce n'est pas un problème, père. Je ne vais pas vous désobéir. Je vais l'amener à la maison. C'est ma fille et je l'aime beaucoup. Arsio Gugu. Personne ne te défie et en sort indemne. Qui est-il? Nous avons nos cultures, nous avons nos traditions, et personne, aucun étranger, aucun infiltré peut venir les changer et en sortir indemne. Non. Igebu, quiconque te défie meurt, Ogunu. Peu importe qui c'est, humain ou dieu, tu as toujours existé, depuis longtemps à ce que je sache. C'est quoi l'église? C'est quoi la nouvelle tradition? Ndeichi est bienvenu. Merci père. Beaucoup. Vous voir venir brusquement ici à la paroisse, j'espère que tout va bien. Tout va bien, père. Oui. Nous sommes venus vous informer que nous avons appris de la prochaine croisade. En effet, nous vous soutenons complètement. Et nous espérons que ça mettra fin à la méchanceté et aux atrocités que les gens commettent ici à Ouagadougou. Oui, père. Nous sommes aussi venus ici pour vous avertir des grandes attentes. Vous savez, chaque nation a un combat. Et dans notre village, pour que cette croisade marche comme prévu, vous devez faire l'effort d'aller voir les yeux de Dieu, les grands d'Ibia. Et pourquoi? Père, c'est pour s'assurer que la pluie ne tombe pas le jour prévu. Mon père, il faut que vous alliez voir Ezemwo, les grands d'Ibia. Si vous ne le faites pas, laissez-moi vous assurer, il n'y aura pas de paix le jour de la croisade. Il va vous envoyer un vent très violent et une forte pluie qui va tout détruire le jour de la croisade. Donc vous me dites que si je ne rencontre pas Ezemwo avant la croisade, et la croisade n'aura pas lieu? Bien sûr. Bien sûr, père. Ah. Alors, voyons ce qui va arriver. Vous êtes au bon endroit. Je veux vous assurer qu'il n'y aura même pas une goutte d'eau de pluie ce jour-là.
Oui, et si vous le voulez, allez dire à son féticheur qu'il soit dans son sanctuaire ce jour-là. Je veux qu'il s'y tienne prêt. Mais il n'y aura aucune pluie ce jour-là. Pas me montrer ce garçon, cet homme inutile qui dérange ma sœur dans ce village. Hé, hey, Emenike! Emenike, attends là! Emenike, attends là! Emenike, ne fuis pas, viens là! Viens ici! Je t'ai bien vu, Emenike, viens! Viens ici! Emenike, viens là! Viens! Viens ici! Viens là! Tu pensais que tu allais m'échapper? Hein? Emenike, tu m'as bien vu et tu voulais fuir! Non, tu voulais fuir, Emenike! Emenike, où est mon argent? Aïe. Ça fait déjà 3 mois, Emenike! 3 mois depuis que tu m'as pris cet argent, depuis que tu m'as emprunté cet argent. Et tu ne fais aucun effort pour me rendre mon argent. Il me n'est que mon argent. Qui peut faire ça? Obiora, Obiora, je t'en prie. Ne te fâche pas contre moi, je t'en prie. Je sais que je t'ai promis de te rendre cet argent il y a 3 mois. Hein? Mais ce n'est pas intentionnel. Hein? Ok, je te promets de te rendre ça le mois prochain. J'ai besoin d'argent maintenant et toi tu me parles du mois prochain. Mois prochain comment? Chaque mois tu me dis mois prochain. C'est quoi? Eh, Menik, écoute-moi. Si tu ne me donnes pas mon argent à la fin de ce mois, j'apporterai ce nom quelque part où tu vas te défendre seul. Est-ce que tu m'as bien compris? Même quand je veux t'appeler au téléphone, tu réponds pas. Ça signifie quoi? Obi, pardon. Obi, pardon. Je vais te payer. À la fin de ce mois. À la fin de ce mois. Mais je t'en prie, ajoute encore un mois au-dessus. La fin de ce mois, c'est ta grâce. Eh, Menik, qui peut faire ça? Ok, je te paierai à la fin. Je te paierai à la fin de ce mois-ci. Ah, tu ferais mieux de faire ça. Je vais te payer. Ne t'en fais pas, je vais te payer. Je dois avoir mon argent. Tu l'auras. En totalité. Je le veux en totalité. Pas en partie. Promis, je vais te payer. Je te paierai à la fin de ce mois. À la fin de ce mois. Ne t'en fais pas. J'apporterai ton nom à un endroit où tu ne vas pas aimer. Aimer, niquer. Merci. N'est-ce pas que je te l'avais dit? Je t'ai prévenu. Tu m'as dit quoi? Je t'avais interdit de lui prêter cet argent. Maintenant que le temps est passé, il n'essaie pas de le rembourser. Je sais comment gérer ce problème. Viens me montrer ce garçon. Oh, Gougou! Le grand Oh, Gougou! Allo si vlog, Junli, allo si mali bobo. Ajagun elite ne liosu. Allo si ne kulagun. O loko joli jeme ko jeme. O loko joli jeme ki jeme. O loko joli jeme ki jeme. O lo mbogi budi ke jeli ebun. Oke ya chalagbo. Asna chugo ke chelugo manya nzu. Nekwenzu. Nemekwenzu. Nekwenzu. Ajo tun na wegbe Ajagun elite liosu alusine kulagun kuya chugo kelugo manya nzu ubose abulu asno yeju ogugu anwulu ndun onyeju logugu anwulu ndo reve fanano so mejugo ogugu iga anwulu ndo nyenye ogugu. Aujourd'hui c'est le jour de l'adoration du révérend père Nonso. C'est mardi. Je veux ordonner à la pluie là maintenant d'aller et détruire ce qui se passe dans la salle d'adoration. Que le tonnerre, l'éclair, la foudre détruisent tout ce qui se passe là-bas. Afin que tu aies un niveau de respect. Aïe, pars, vas-y, pars. Les éclairs, les tonnerres, allez-y. Qu'il pleuve des chiens et des chats dans la salle d'adoration afin d'empêcher la cérémonie et de tout détruire. Donnez-lui la leçon de sa vie afin qu'il sache qu'il y a une puissance et qu'il en aura toujours. Adamaka, akosa adamananya, Adamaka. Disons, avec ma voix, il y a
Ogugo. Ogugo. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu couvert de honte? Pourquoi m'as-tu abandonné à ce moment de l'histoire où j'ai le plus besoin de toi? Ogugo, tu m'as vraiment déçu. Exact. Tu m'as déçu et m'as déçu énormément. J'ai ordonné à la pluie d'aller à la salle d'adoration du révérend Père Nonceau afin de tout détruire. Pas une seule goutte d'eau n'est tombée. Pourquoi? Ogugo, j'ai perdu ma valeur. J'ai tout perdu sans exception. J'ai perdu toute ma considération. Personne ne viendra plus jamais à moi. Ogugo, comment est-ce que ton potentiel est totalement introuvable en ce moment? Plus personne ne voudra à nouveau se confier à moi. C'est mon beau Agbatinsie, mon loba, mon loba. Après c'est mon loba, mon loba alors ne joue et roule mon as. Parce que nous n'y a du endossi ne joue qu'un abonnement. Ogugo. Ogugo. Si j'avais su avant maintenant que je n'avais plus ta couverture ou ton soutien, j'allais m'abstenir. Mais tu viens de me disgracier. Tu viens de me couvrir de honte. Plus personne dans le royaume de Guago ne viendra à moi. Love my baby loves me. No circumstances can stop my love for you. I love my baby. My baby loves me. No circumstances. Hello, qui est-ce? Oui, monsieur, c'est bien moi. Oh oui, c'est bien moi. J'avais déposé mon CV, monsieur. Hein? Ok, je dois venir le lundi matin. Ok, monsieur. D'accord, monsieur. Le lundi matin, je serai là. Ok, monsieur. Merci, monsieur. Ok, monsieur. Dieu vous bénisse, monsieur. Merci, monsieur. Oui, monsieur. Oya, qu'est-ce qu'il y a? Maman! Bonne nouvelle! Bonne nouvelle, maman! J'ai une bonne nouvelle! Qu'est-ce que c'est? Mais vas-y, dis-nous! Maman! Hein? Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! Asugo! Mais vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? La compagnie, j'avais déposé mes CV. Le manager m'a appelé. Écoutez bien! Le lundi matin, que j'y aille! Tu n'es oui. Qu'une! C'est vrai ça? Oui, oh. Allez, donne-moi l'enfant, vite, donne-moi l'enfant. Tu n'es que bien. Une nouvelle puissante. Wow. Mais écoutez, il ne faut pas être trop joyeuse, hein? Parce que ce n'est pas encore confirmé si j'ai eu ou pas ce boulot. Allez, ma grande, aie foi. On a un Dieu, tu as déjà ce travail. Tu en as déjà. Tu en as déjà. Tu sais, j'avais dit aujourd'hui que je vais te faire une confession. Et cette confession est que chaque fois que je te regarde,
toute la faim que j'ai disparaît. Alors, c'est toi qui termine toute la faim en ce qui me concerne, moi. Maintenant que je te regarde, je ne sens plus aucune faim. Mais avant que je ne te voie aujourd'hui, j'avais très faim. Est-ce que tu peux imaginer ça? Et tu n'es donc plus en colère? Je n'ai plus faim. Plus du tout. Alors, un pas vers ce mois. Une visite, même pour un moment seulement. Pourquoi tu me donnes toutes ces louanges? On dirait que tu n'as jamais vu une jolie femme avant. Ah, mais comment peux-tu? N'est-ce pas que tu rencontres des différentes femmes? Écoute-moi, aucune idée n'est comparable à toi. Parce que toi, tu as vraiment... Tu as une spécialité. Tu as une particularité. Dis-moi, est-ce qu'elles ont le même type de nez que le tien? Ou le même type de joues? Hein? Tu sais, si tu me donnes une petite chance, je vais les barrer comme si elles sont des... Anu Boronko. Et Juono. Hein? Comment puis-je les comparer à toi? Ce n'est pas possible. Tu dis tout ça juste parce que tu ne m'as pas encore eu. Une fois que tu m'auras, tu vas t'en aller. Pour aller faire ces louanges à d'autres femmes. Je te connais, non? C'est comme ça que non, tu es. Non, pas du tout. Tu vas pas t'en voler. Tout. Moi, ma belle. Oui. Moi, ici, là. Oui, non, ce n'est pas vrai. Très bien, essaye seulement. Écoute, donne-moi seulement cette petite chance. Je ne veux pas... En fait, si tu me le donnes maintenant, je vais plutôt m'agripper. Et puis tu me parles de mon volet. Je veux plutôt m'agripper. Même après, je ne resterai qu'avec toi. Ok. Je t'ai entendu. Je crois que je dois te considérer parce que tu as beaucoup souffert pour moi. Oui, j'ai souffert pour toi. Je reconnais que tu as autant souffert pour moi. Tu m'as donné de l'argent, de l'attention et tout ce qui va avec. Hmm. Et je vais te considérer. Mais ce n'est pas maintenant. Mais quand alors? Et le soir. Mais ça fait pas une grosse différence. De maintenant jusqu'au soir. Oui, je crois que c'est le pire, c'est quand tu dis demain matin ou demain soir, après demain, l'année prochaine. Là, c'est pire. Ah oui. Une fois que c'est le soir. Le soir, à quelle heure? 18h. Le soir d'aujourd'hui? Oui. Mais il n'y a pas de problème. Oui, le soir. Une fois que c'est le soir aujourd'hui, que ça ne rate pas aujourd'hui. Ça ne passera pas aujourd'hui. En attendant, j'ai une urgence. Quelle urgence, s'il te plaît? Je dois appeler ma mère. Je n'ai pas de crédit dans mon téléphone. Seulement ça? Oui. La carte de recharge, combien ça coûte? 1000 francs. 1000 naira? Oui. Attends un peu. Tu peux avoir de la chance. Attends un peu. Hey! Je l'avais dit. Tu as de la chance. Tu as parlé de 1000 naira, n'est-ce pas? Mais oui. Ce que je vois ici, c'est 2000 naira. Ah, tu es vraiment chanceuse. Ah, tu as vraiment merci. De la chance. C'est très assure-moi. Gentil. T'inquiète, je serai là, je vais venir. Dis-moi, à quelle heure particulière? À 18h. Tu sais, du fait que tu as ajouté cet argent, tu m'as rajouté 1000 francs alors que j'avais demandé 1000 francs. Puisque tu as doublé la somme que j'avais demandé, je serai là avant 18h. Ok, plutôt que oui, ça. Oui, 15 minutes avant. Hey! Allez, c'est bon, non, c'est attends, bon, je serai là. Pèse-toi. Laisse-moi me dépêcher, je serai là, t'inquiète. Ne prends pas beaucoup de temps. Je viendrai te satisfaire. À tantôt. Quoi? Oui, puis-je vous parler? Où allez-vous comme ça? Ça ne vous dérange pas? Puis-je vous parler un peu pendant un moment? Vous êtes resplendissante et vraiment très radieuse. Où allez-vous juste à cette direction et sans vous vexer, quel est votre nom? Je m'appelle Chidiogo, monsieur. Chidiogo? Oui, monsieur. Oh, mon Dieu! Mon Dieu, Chidiogo, la même qui n'arrête pas de m'appeler depuis un temps? C'est vous? Oh! Chidiogo, tu es... Vois-tu comment Dieu aime faire ces choses? La façon dont Dieu agit est vraiment merveilleux. Chidiogo, tu m'appelais au téléphone et là je viens de tomber sur toi comme un ange qui tombe du ciel. Chidiogo, je suis... Chill Verde, celui que tu cherches à rencontrer. Oh mon Dieu. Ok, monsieur. Pourquoi ne faisons-nous pas... Viens, monte. Entre dans mon véhicule et allons dans un endroit plus approprié afin de discuter à propos de l'interview.
Je pense que dans ton bureau serait mieux. Ça? As-tu perdu tes sens? Les quatre murs de mon bureau ne te donneront pas le boulot. C'est moi qui vais te le donner. Parce que j'en suis le gérant. Exact. La chose appropriée pour toi de faire, c'est de m'accompagner afin que nous allions dans un endroit approprié et discuter à propos de ton job. Je veux dire, l'interview que tu as vu passer. Désolée. Si vous le dites, monsieur... Voyons. Vas-y, monte. Nous allons te placer dans la catégorie salariale de 40 000 lira le mois. Merci. 60 000 lira le mois. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Peu importe. Dans un langage plus clair, il y a quelque chose qu'on appelle l'échange de biens. Faire le nécessaire l'un pour l'autre. Tu couvres mes arrières et je couvre les tiens. Comprends-tu cela? Non, monsieur. Je comprends rien. Tidogo, tu n'es pas un bébé, tu es adulte. Nous allons être amis. D'ailleurs, où est-ce que tu vas habiter quand tu commenceras ton boulot? Je n'ai où vivre dans la ville, mais mon village est non loin d'ici, alors je peux y retourner. Aucun problème. Tu pourras rester dans ma maison pendant les prochains mois. Alors tu vas chercher... Non, tous les deux. Nous chercherons un endroit adéquat où tu pourras rester. Et tu n'as pas à te déranger pour payer les factures. Je paierai les factures merci, pour toi. Merci, monsieur. Merci. Et j'ai failli oublier. Cette longue jupe n'est pas celle avec laquelle tu devrais venir au travail, ok? Non, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ma fille. Père. Tu as très bien agi. Merci, mon père. Dieu ne met jamais la honte à ceux qui croient en lui. Tu as la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Et si Dieu te bénit, personne ne peut te l'empêcher. Amen. Merci, mon père. Continue de chercher un travail. Tu l'obtiendras bientôt. Cette entreprise n'est pas la seule qui a besoin d'employés. Et il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Quand vous avez un travail qui t'oblige à dormir, tu dois dormir dans le but de maintenir ton travail. Donc, attends les temps de Dieu et crois en lui. Il n'y a pas de rose sans épine, ok? Merci beaucoup, mon père. Je promets de ne jamais vous décevoir. Merci, père. Dieu te bénisse. Amen. Je dois m'en aller maintenant. Tu es de retour. Bienvenue. Quelle est-il de Tubiora? Elles sont là, elles préparent. Maintenant, okay. Allons à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tidjogo! Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Qu'est-ce qui se passe? Maman? Papa? Où est le téléphone? Où est le téléphone?
Emenike. Oui. Bien. Bien. Je suis Agbati Diébé, le grand prêtre du grand sanctuaire d'Ogogo. Ogogo, exact. Je t'appelle du sanctuaire. Quelqu'un à qui tu dois t'accuser. Ok. Alors il t'est demandé de venir au sanctuaire afin de t'expliquer. Tu dois faire cela vite avant que le faible devienne fort. As-tu entendu? J'espère que tu sais de quoi je suis capable. Alors n'ose pas me tenter. Ok. Je viendrai pour vous répondre dans une semaine. Je vais t'attendre. Je t'attends. Allo, c'est Flog, Junli. Allo, c'est Molibo. Ogugu. Ogugu, nous, Guaco. Ogugu, Guaco, Diamono. Awa, le chief priest, Nebu. Awa, c'est Wang. Hein? A toi, l'homme, Marianamalo. A toi, l'offre, que j'ai fait une sinofia, j'ai fait une sinofia. Ok, Ogugu. Il n'y a pas de quoi. Ta réputation dans ce village n'est pas du tout bonne. Oui, je refuse de croire que tu aies fait toutes ces choses intentionnellement. Je ne comprends pas de quoi vous parlez là. De toutes les façons, on en parlera un autre jour. Ce jeune homme assis à ta gauche était venu se plaindre. Qu'il a dû emprunter une fois de l'argent chez toi, mais il est incapable d'honorer sa promesse. En lieu et place de lui accorder encore plus de temps, tu l'as accusé auprès de Gogo. Voilà. Est-ce vrai? Père, je suis très heureux qu'il a quand même pu te dire la vérité. Oui, c'est vrai. Cet homme ici est venu me voir. Il était même à genoux, me suppliant de lui donner un peu d'argent, mon père, et je l'ai fait. Oui, comme un bon citoyen de ce pays, mon père, je lui ai remis un peu d'argent. Il a promis de me payer dans 2 mois. Mais après, 2 mois étaient déjà écoulés. Au lieu qu'il me paye mon argent, il a commencé à me faire de tout, des jeux bizarres. Mon père, je veux mon argent. Et comme il a refusé de me le payer, je vite apporté son nom auprès de Ogugu. Laissez-le répondre à l'appel de Ogugu. Qu'il réponde à l'appel. Mais, je t'ai demandé plus de temps. Ne dis pas n'importe quoi. Tu veux encore plus de temps comme ça? Que veux-tu dire? Qui peut faire ça? Obiora, je veux intercéder pour lui. Oui. Je voudrais diviser cet argent en 3 tranches. Je te paye alors une somme de 50 000 maintenant. Voilà. Et c'est alors qu'il va compléter le reste de ton argent. Mais où il manquera à payer la totalité, je pourrai toujours l'aider. Mon père, avec tout le respect, ça ne marchera pas. Oui, ça là, ce n'est pas acceptable. Mon père, je lui ai remis l'argent en totalité. Et il doit aussi me le payer en totalité. C'est comme ça qu'il doit aussi me payer tout mon argent. C'est quand même la moindre des choses qu'un homme raisonnable puisse faire, mon père. Oui, s'il voit qu'il ne veut pas me payer en totalité. Mon père, Ogogo va appeler. Laissez-le répondre. Donc tu veux que Yugogogo le tue au lieu de lui donner une leçon? Mon père, ça va dans ce sens-là. Mon père, vous savez, peu importe la manière dont Ogogo veut récupérer mon argent, moi, tout ça ne me concerne pas. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon argent. C'est tout ce que moi je veux, mon père. C'est tout ce que je veux. Mais je veux que tu saches que Emenike va pas répondre à Ogogo. Je veux que tu ailles annuler ce serment. Ne sois pas déçu par le message qui lui a été envoyé. J'ai nombreuses de ces lettres là dans mon altar. Je veux que tu acceptes mon deal et que tu lui accordes un peu plus de temps. Mon père, je viens déjà de dire ça ici. Ça ne marchera pas. Tout ça est vraiment inacceptable. S'il ne veut pas me payer mon argent en totalité, il ira répondre à l'appel de Ogugu. Hey. Oui, Ogugu appelle et il va répondre. S'il ne veut pas, Ogugu s'occupera du reste. Chai, Ogugu. Je te conseille d'accepter cette affaire.
accepte ce deal, tu en es le bénéficiaire. Pourquoi ne pas prendre une somme que tu lui avais prêtée et lui accorder un peu plus de temps pour qu'il appure? Et d'ailleurs, pourquoi te sens-tu heureux d'accuser quelqu'un auprès de Ogogo? Étant chrétien, tu n'es pas censé t'identifier à des déités comme Ogogo. Mon père, en tant que chrétien, je sais ce que signifie donner à César ce qui revient à César, et aussi donner à Dieu ce qui revient à Dieu. Je connais la différence, mon père. Alors, ne me prêchez pas ça. Oui. Hein? Ogogo, ne me prêchez pas ça, mon père. Je m'en vais, mon père. Il va parler avec Ogogo. Ce n'est plus avec moi. Mon père, c'est comme ça qu'il se comporte. Hein? Bien, Emenike, ne panique pas, d'accord? D'accord, mon père. Rien ne va t'arriver. À quand le jour du serment? Cet argent, c'est 3000 naira. Utilise-les pour acheter les ingrédients du riz de Jollof. Prépare-les bien et mange ça ce jour-là. Achète-toi de la boisson et réjouis-toi car rien ne va t'arriver. Ok? Merci, mon père. Merci. Hein? Merci. Problème. Qu'est-ce qu'il y a? Bon après-midi. Tu n'es pas heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ils m'ont demandé de commencer le boulot le mardi. C'est une bonne chose, tu dois être heureuse. Mais je n'irai pas où. Pourquoi? Je ne veux plus que j'y aille et puis à marceler sexuellement. Tu ne peux jamais refuser les gens à cause de l'air complexe. Si là où tu as travaillé autrefois, ils étaient ainsi, cela ne signifie pas qu'eux aussi seront comme ça. Ceci peut être différent. Maman, tu sais combien? Menteur. La même chose. Je crois qu'elle a raison. Pourquoi je n'appelle pas le pasteur pour lui en parler? Tu nous as vraiment rappelé. Prends d'abord le téléphone, appelle-lui. Appelle-lui et tu lui sais que tu traverses. Peut-être qu'il pourra t'aider parce que toi tu refuses déjà le travail. Non. Ce n'est pas comme ça. Le travail n'est pas facile à trouver ces derniers temps. Appelle-le, s'il te plaît. Allô, mon père. Oui, bon après-midi, monsieur. Je sais que tu es supportée, que tu étais toujours derrière elle. Mais ce que je n'aime pas, c'est le fait qu'elle ne t'a jamais dit oui. Pas seulement ça, elle prenait de l'argent venant de toi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Hein? Oh! Papa? Elle ne peut pas manger, Akita. Oui. Elle ne peut pas du tout. Si elle restait insensible, papa, il serait mieux que tu lui montres l'autre maragaï. Je t'inquiète, ma fille. Tu me connais, n'est-ce pas? Hein? Oui, papa. Je vais lui apprendre ce qu'on appelle Mboku Ucho. Mais de quoi parle-t-on comme ça? Mais tu sais, les filles de nos jours sont sans cœur. Pour combien de temps? Oui, ne t'inquiète pas, ma fille. Écoute-moi, personne ne peut venir se jouer de ton père comme ça. Je sais très bien ce que je fais. Hein? Il n'y a personne, ma fille, encore moins les femmes, ne peut se jouer de ton père et s'en tirer. Ngoba, on l'a vu, à quoi c'est? Amen.
à mon très cher ami, Abou Ogidi Owakam. Dis-lui de m'appeler au téléphone, afin que je lui explique comment il va l'utiliser. Ok, Nai. Surtout ne parle à personne. Ne salue personne et n'accepte aucune des salutations sur ton chemin jusqu'à ce que tu livres cela. Ok, Nai. Pars. Ok. Ogwe de Bwangam. Ngume Shikena. Anyabwani Avuja Mvuja. Oria. Orobie. Ngume Shikena. Anyabwani Avuja Mvuja. Et toi, esprit de traumatisme, où que tu sois, à Onogu, à Onabo, à Onane, à Onono, viens à la maison. Viens faire tout ce que je te commanderai de faire. Tu fais tout ce que je te dis, selon ce dont j'ai besoin. Voilà ce que je veux. Ce que tu fasses, tout ce que je te demande. Viens à la maison. Tu viens à la maison. Faire tout ce que je te demande. Viens à la maison. Viens à la maison. Viens à la maison. Tu viens à la maison. Et tu fais tout ce que je te demanderai de faire. Désolée, maman. Maman, désolée, oh. Désolée, maman. Non. Maman, qu'est-ce qu'on fait après? Non. Grand frère, où est-ce qu'on va trouver l'argent que le docteur a demandé, hein? Ma fille, je n'ai pas besoin de ça, oh. La douleur est en train de me tuer. Maman, la douleur ne te tuera pas. Tu vivras assez longtemps pour manger le fruit de ton travail. Oui, maman. Non. Oh, ouais. Papa? Alors, s'il y a un endroit où il a prévu d'aller, tu n'ailles pas d'abord jusqu'à ce que je le voie. De 7h30 jusqu'à 8h. Ok, papa. Ok, très papa. Bien. D'accord. Il ne faut pas traîner, oh. D'accord. N'en profite pas pour aller voir tes amis. Bien. Comment tu vas? Ce que tu viens faire ici chez moi. Qu'est-ce que la lumière et les ténèbres ont en commun? Ndiako, suis venu en paix. Quelle paix? Le Seigneur m'a envoyé pour délivrer quelqu'un dans cette maison. C'est une fille. Délivrer c'est qui? Votre fille assise. C'est un mensonge. Ton Seigneur ne peut pas dire une telle chose. Pour t'amener ici dans ma maison. S'il te plaît, retourne vite d'où tu viens. Regarde-toi, tu viens ici pour chercher ma fille. Tu viens chercher une fille ici dont tu feras ton ami. Tu viens tromper les gens en portant une soutane. Hein? Tu penses pouvoir me tromper? Il y a une fille que le Seigneur m'a envoyé délibérer ici. Hé! Hey! Où est-elle? Regarde-toi, tu veux délivrer les gens. Tu n'es pas sûr de ce que ton Dieu t'a dit de faire. Alors, il faut que tu partes. Retourne d'où tu viens. Tu n'entends pas? Elle n'est pas malade. Peux-tu partir maintenant?
Tioma. Peux-tu partir maintenant? Tu dis encore Tioma. Tioma, ma fille. Tu vas bien? Oui, je peux voir que tu vas bien. Très bien. Ne t'occupe pas de cet homme-là. Hein? Tu ne fais que tromper les gens avec... Qu'est-ce qui t'arrive comme ça, ma fille? Les œuvres n'ont pas été parfaites aux yeux de mon Dieu. Toi, esprit mauvais, toi, esprit maléfique, je t'ordonne de déguerpir maintenant par la puissance du Seigneur Jésus. La puissance. Comment suis-je entré ici? Comment? Père. Le Seigneur vient de te délivrer. Père. Jésus. Akakweboroka. Tioma, où vas-tu comme ça? Que s'est-il passé? Je viens de la libérer par la puissance du Saint-Esprit. Libérée de quoi? De ta malédiction. Quelle malédiction? Je te rappelle qu'elle est ma fille. Elle est ma fille. Ne viens pas me dire n'importe quoi ici. Tu me comprends bien? Hey! Ce que tu fais n'est rien. Tu ne peux rien faire. Repends-toi avant que la colère de Dieu s'abatte sur toi. Dès demain, il faut regarder ton hugo. Tu verras que ton hugo aura disparu. Tu verras, ça va disparaître. Ne viens plus me déranger jusqu'ici. J'espère que tu m'as entendu. Là où moi je suis en train de m'amuser, tu viens me déranger. Pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur toi. Je t'avertis pour une dernière fois. Disparais d'ici maintenant. Tu ne veux donc pas m'écouter, c'est ça? Je te conseille de ne pas faire les têtus. Je t'ai bien prévenu. Tu asperges le kérosène ici. Et tu dis que c'est une eau bénite. Eh, que boalo. Akoumi yingini. Si tu ne veux pas écouter, tu verras ce qui t'arrivera. Hey! Regardez cet homme qui vient me tenter jusqu'ici. Très bien. Ok, père, je suis toujours en vie, je ne suis pas mort. Exact, j'espérais même pas me réveiller ce matin. Exact. Non. En fait, dans très peu de temps, il faudra que j'aille au marché afin que j'achète les riz ainsi que de la viande. Vous m'avez demandé de me réjouir, non? Exact, père. Oui, père. Ok. Amen. 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 Merci, père. Ok. Merci pour vos prières. Hein. Ok. Donc, Obiora m'avait accusé au sanctuaire pour me tuer. À cause d'un simple 150 000. Ok. Il n'y a aucun problème. Sanctuaire pour me tuer. Je ne sais pas si tu es un homme.
Gemesi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, c'est à toi que je parle maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Tu m'as fait une promesse. Que se passe-t-il? Abati Sebwe. Alors, c'est quoi? Asin attaque pour l'antikana aboji. Attaque pour l'antikana aboji. Asin ma bakalum nenu mili. Quand on l'a qu'à drobo mwade. Il va n'en jouer pour elle. Oh, comment? Nous sommes chez vous, beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on va crier? Pourquoi élevais-tu ta voix devant la grande déité, devant le grand coucou? Veux-tu vraiment mourir? Hein? Maintenant, parle. Tu as mon attention. Ah bah, tu sais bien. Tu m'as fait la promesse devant Ogugu que Emenike allait mourir. Ah bah, tu sais bien. C'est le jour J aujourd'hui. Et au moment où je te parle maintenant ici, Emenike est là-bas en train de manger du riz et du poulet. Qui peut faire ça? Et mon argent est en jeu. Odiora, es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Parce que ça pourrait se retourner contre toi. Es-tu sûr de ce que tu dis? Tu peux voir que je n'ai pas d'eau dans ma bouche. Et Menike là-bas, en train de s'amuser, pendant que mon argent est en jeu. Qui peut faire ça? Je t'en prie. Je ne sais pas si tu as vécu de ce que tu ne sais pas. Sois très certain, sois très sûr de ce que tu dis. Ah! Oh, Gougou! Avant que d'abord, Nancy, nous sommes Madaka. Adjongwa, je vais le bannir en avant. Tu vois, nous sommes Madaka. Ajongwa se wala banna nawo. Obiora, ce que tu dis est vrai. C'est ce petit garçon, ce révérend père, cette petite chose, c'est bon à rien, qui s'est fait appeler Nonso Madika. Ne t'en fais pas. Je vais les détruire. La grande déité va les détruire. Ah bah tiens, c'est bon. C'est ce que tu m'as dit l'autre fois. Voilà ce qui arrive. Emenike mourra pour avoir refusé de répondre au grand Ogugu. On verra ce qui va se passer quand Ogugu les frappera. Personne ne défie Ogugu et on sort indemne. Oh, ils n'ont encore rien fait du tout. Ça n'est jamais arrivé et ça ne commencera pas maintenant. Ah! Emelete! Tu seras informé de sa mort. Va à la maison. Merci. Rentre chez toi et détends-toi. Merci. Oh, le gars, j'ai l'un de mes candiements.
Bon après-midi. Ce n'est pas intéressant qu'une belle fille comme toi marche sur le soleil. Est-ce que je peux être ton chauffeur? Ne dis pas non. D'accord, monsieur. Oh, merci, entre. Ouvre. Tu dis-moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as fait? Depuis un moment, je devais déjà récupérer les 50 minéras qui m'étaient offerts par le père Nonso. Parce qu'elle a dit qu'Emini qui est encore en vie et va très bien. Et même le Dibia ne fait rien par rapport à cette histoire. Et qui peut faire ça? Et c'est une grosse erreur que tu as faite. Tu savais, tu devais récupérer ces 15 000. On allait avoir cette somme avec nous pour commencer les traitements des mamans, au moins avec ça, hein? Soudainement, j'ai commis une grosse erreur. Mon père, ma mère est en train de mourir. Mon père, aide-moi. Viola, qu'est-ce que tu fais ici? Mon père, ma mère est à l'hôpital. Ta maman, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mon père, je ne sais pas comment les docteurs appellent cette maladie. Je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Je ne comprends rien. Mon père, je suis venu retirer l'argent. Celui que vous avez promis de payer sur la facture. Enfin, celui que vous avez promis de payer pour Emenike. Mon père, donnez-le-moi, s'il vous plaît. Mais tu avais dit que tu ne voulais pas qu'on te paye de l'argent en tranche. Mon père, j'en ai besoin maintenant. Je l'ai utilisé pour autre chose. Hey! Mon père, s'il vous plaît, même la moitié. Mon père, la moitié. Même 10 000. Je l'ai utilisé, je t'ai bien dit. Mon père, donnez 5 000 légas. Même 5 000 légas, s'il vous plaît. Ma mère est en train de mourir. Obiola, je vais te revenir. Je te reviens, quand, d'accord? Mon père, quand? Le plus tôt possible, je vais te chercher. Mon père, ne m'abandonnez pas. S'il vous plaît, mon père. Ma mère, oh. C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé ici. Tu sais, on s'est connus pendant un moment, je crois qu'il y a des mois. Oui, déjà 2 mois. 2 mois? Oui. Waouh. Mais pour moi, c'est comme si on s'est connus il y a des années. Pareil. Tu as été gentil et intentionné envers moi. Je ne sais pas ce que je pouvais faire sans toi, honnêtement. En fait, arrête de me remercier pour tout ça. Regarde,
si je t'ai dit, en fait, dans toute ma vie, ce que les gens ont pu faire pour moi, c'est alors que tu comprendras que ce que j'ai pu faire pour les gens n'est absolument rien comparé à ce que j'ai bénéficié des autres. Et juste comme on le dit, ceux qui donnent plus reçoivent plus. Et voilà la vie. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu cette sortie. Eh bien, c'est d'après toi. Mais pour moi, vous m'avez fait une grande faveur que personne n'a pu faire pour moi. Ne sais-tu pas ce que tu as fait? Vous m'avez acheté un appartement. Et il y a déjà 2 mois, à nos 15 jours, vous m'aviez invité d'autre part. Et tu ne m'as jamais rendu visite. Sans pour autant demander la couleur de mon sous-vêtement. Tu ne l'as jamais fait. Pendant que tous les hommes que j'ai rencontrés, en commençant par lorsque je cherchais un boulot, les uns je les ai rencontrés en chemin, les autres voulaient juste une nuit avec moi, sans pour autant rien faire pour moi. Mais pour ton cas, c'est totalement différent. Et en fait, là, tu m'as invité à croire que tous les hommes ne sont pas pareils. Il n'y a plus d'hommes comme moi là-dehors, c'est vrai ça. Le comble, c'est que il suffit de les côtoyer pour savoir qui ils sont. Ça, c'est vrai. Alors, Jimmy, la raison principale pour laquelle je t'ai amené ici pour cette discussion, c'est... En fait, je ne sais pas comment est-ce que je peux te cacher tous ces mots. Je dois trouver une façon de tenir bon pour t'en parler. Depuis que je t'ai rencontré, tu m'as donné une raison de plus pour me stabiliser. Si je t'ai demandé de m'épouser, moi, accepteras-tu? Je suis désolée, mais c'est étonnant. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment réel? Vraiment sérieux. Eh bien, non, non, je n'en veux pas. Pourquoi? Tu veux dire que tu as bien réfléchi et tu veux m'épouser? De toutes les façons, on ne sait jamais. Ok. Donc c'est oui? Oui. Donc c'est oui? Oui. Viens, viens, viens. Tu donc? Comment ça? Donc tu ne pensais plus me revoir? Et tu es là à me demander comment fais-tu? Regarde-toi, tu mourras pauvre. C'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, mon père. J'ai attendu si longtemps pour affronter cette réalité. Je ne croyais pas qu'il allait le faire lorsqu'il disait. Waouh. Si tout ce que tu m'as dit autour de lui est vrai, alors il n'y a pas de problème, c'est une bonne personne. Oui, mon père, il l'est. Ma mère sera très contente lorsque je lui dirai cet après-midi. Oui, mon père. Ça, c'est bien. Essaye d'être gentil avec lui, tu comprends. Et je continuerai à prier pour toi. Merci beaucoup. Merci. Et je te souhaite le bonheur. Amen, merci. Dieu t'assistera, d'accord? Amen.
Merci, mon père. Je t'en prie. Je compte partir maintenant. Bon, d'accord. Non, dépose-les là-bas. Espérons que tu l'aies bien placé. Oui. Et où sont les restes? C'est là d'ailleurs. Tu peux le prendre. Allô? Bon après-midi, monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, monsieur. Je t'appelle pour savoir comment tu vas et comment les affaires marchent jusque-là. Très bien. Avec le soutien de ma mère et en faisant bien les comptes, tout avance en tout cas. Alors, où est-ce que tu travailles? Je compte venir là-bas. Je travaille à Angoma Wise and Spirit, à l'intérieur de la grande place, juste en face de la place Sitosi. Oui, c'est ça. Mais, monsieur, je ne crois pas qu'il est prudent pour vous de venir ici. Nous fermons normalement à 21h, donc venons au moins le soir. D'accord, très bien. On se fera là-bas. Ok, monsieur. Oui, très bien. Je passerai là-bas le soir. Je vais d'abord résoudre un petit souci que j'ai ici en famille. Mais après ça, je verrai comment je passerai là-bas. Ok. Ok. Très bien alors. Pas de problème, messieurs. Tu as souci là-bas? Non, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Très bien. Prends bien soin de toi. Bye. Allô, c'est qui? Oh, ma chérie, c'est moi, Obi-Obi, Obiora. Obiora quoi? Si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on s'est vu, on n'était pas en bon terme. Alors pourquoi tu appelles? Oui, ma chérie, j'ai pensé aussi ainsi, mais ton opinion a vraiment changé beaucoup de choses. tu vois, j'ai quelques photos qui pourraient vraiment t'intéresser, tu vois? Quel genre de photos stupides? Écoute, je ne veux rien du tout, Vena, de toi. J'en veux pas, merci. qui peut faire ça? Ah, vérifie ton WhatsApp, hein. Je dis... Anouma Mungo. Oh mon Dieu. Comment? Mon père, je me vois souvent dans un rêve, étant poursuivi par une mascotte et également fouetté par une mascotte. C'est un signe d'un esprit ancestral. Quand tu te vois poursuivi et attaqué par un bal masqué dans ton rêve, c'est le signe d'un esprit ancestral, ainsi que des liens ancestraux. D'où la nécessité d'une délivrance familiale. Mais dans l'entretemps, fais des prières avec Ézéchiel 18. Merci beaucoup, mon père. Dieu te bénisse. Père, bon après-midi. Je souffre d'une maladie infectieuse qui a duré il y a longtemps. Tu as des infections qui ont duré longtemps? Oui, père. C'est parce que tu manges dans tes rêves? Oui, père. Aussi longtemps que tu continueras à manger dans ton rêve, la maladie persistera. Ce n'est pas que ton traitement ne marche pas. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas à tes prières. Mais, aussi longtemps que tu feras des rêves en train de manger,
tu seras affligé par la même maladie. Tu es marié? Oui, père. Et tu n'as pas d'enfant? Non, père. C'est parce que la nourriture que tu manges dans tes rêves ont bouché tes trompes de Fallope. Donc, tu dois arrêter de manger dans ton rêve. Après cette prière, Dieu va te délivrer. Et je t'accorde 3 mois, tu vas concevoir dans le nom de Jésus. J'ordonne que cette nourriture satanique dans ton corps soit abolie maintenant. Sois libre dans le nom de Jésus. Amen. Sous l'onction du Saint-Esprit, que tu sois guéri maintenant. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acclamez le Seigneur. Je couche avec plusieurs hommes dans mes rêves. Coucher avec différents hommes dans ton rêve est un signe de mari de nuit. Es-tu marié? Non, père. Ce mari de nuit ne te permettra pas de te marier. Et pour les hommes et femmes mariés qui ont ce problème dans leurs rêves, ces maris ou femmes de nuit ne leur permettront pas de prendre plaisir de leur mariage. Donc, ces genres de personnes ont besoin de fortes prières et exorcismes. Par le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, par la puissance du Saint-Esprit, toi, esprit maléfique, je t'ordonne par le Saint-Esprit, sors dans ce corps au nom de Jésus. C'est un démon puissant, celui-là. Et dans le nom de Jésus, sors de ce corps et sois lié jusqu'à ton jour de jugement. Que cette délivrance soit parfaite et effective dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mon père. Je me vois toujours dans mon école primaire et maternelle que j'ai déjà laissée il y a 35 ans. Et je me vois aussi dans notre ancienne maison en train de ramasser des escargots. Je te vois dans une ancienne école. L'école secondaire, école primaire. Ça, c'est un signe de blocage. Se voir dans une ancienne maison en train de couper les ongles, c'est un signe de la stagnation. Laissez-moi vous dire, même si vous avez contracté un maître au gaguet et vous vous voyez en train de servir votre maître dans le rêve, cela signifie que spirituellement, tu es toujours en dessous de ton maître. Il faut une prière de délivrance et prie avec le livre d'Ésaïe, chapitre 16, versets 1 à 8, d'accord? La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Que le Tout-Puissant Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Et sors de ce corps maintenant. Dehors dans le nom de Jésus. Dehors. 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 Sors. Sois libre dans le nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Très bien, arrive jusqu'ici. Viens me rouler dessus. Oui, approche jusqu'ici. Approche jusqu'ici. Sors de ce véhicule. Sors ici, je vais en finir avec toi aujourd'hui. Tu veux chercher des problèmes avec moi? Alors viens ici. Viens là. Tu ne passes pas ici. Aujourd'hui, pas moyen. Je suis au contrôle. Viens, 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 viens. Aïe, mené, mené. Vas-y, viens. Oui, allume ta climatisation pour me défier. Oui, sors de là. Agafo. Ne vois-tu pas que tu t'es mis sur mon chemin? Je t'ai pourtant prévenu, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Pourquoi me barres-tu la route? Parce que tu m'as aussi barré la route. Est-ce que tu te rappelles? Hein? Depuis que tu es arrivé ici, dans cette communauté, tu n'as pas arrêté de me chercher des problèmes. Je vais en finir avec toi en ce moment même.
Écoute, laisse-moi t'avertir. Je veux que tu m'écoutes très bien. Je veux que tu laisses Choma. Laisse-toi tranquille. Je suis l'ami le plus proche de Abatine Sieboué. Si tu comprends de quoi Abatine Sieboué est capable, alors tu sauras comment mettre la distance entre toi et tout ce qui me concerne moi. Autrement, tu vas creuser ta tombe. Qu'est-ce qui est si spécial autour du nom que tu as évoqué? Hé! C'est qu'il y a de spécial avec ce nom-là. Quand je te parle là, tu ne veux pas comprendre. Je te parle, tu ne comprends pas. Quand ça va t'arriver, alors tu comprendras. La Bible déclare, ne touchez pas à mes rois et ne persécutez pas mes prophètes. Regarde-toi. Tu demandes ce qu'il y a de spécial avec moi. Hein? Si tu ne me connais pas, va te renseigner. Tu vois Nchoma, tu vois Ego, et tout ce qui me concerne moi, il faut que tu en restes très loin. Mais c'est quoi comme ça? Tu ne veux pas comprendre? Hein? Qu'est-ce qui te pousse à me déranger comme ça? Hein? Tu ne veux pas comprendre? Tu ne veux pas t'occuper de tes affaires? Tu t'occupes seulement de mes affaires. Qu'est-ce qu'il y a avec toi comme ça? Hein? C'était mon dernier avertissement. Éloigne-toi! Hein? Haburuka, Adamo Mburuka. Tu ne veux pas t'occuper de tes affaires. C'est moi les affaires des autres. C'est bien comme ça. Tu paieras très cher. Hein? Hamburuka, si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Tu paieras très cher. Oui, je te le dis. Tu es averti. Il y a quelque chose que je veux t'en parler. Je t'écoute. Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. En fait, calme-toi et dis-moi de quoi il s'agit. Ok. Ce n'est pas vraiment bon à entendre. Cela s'est passé il y a 3 ans. Et c'était la plus grosse erreur de ma vie. J'avais un petit ami. Il m'avait rendue grosse. Et je pensais qu'il devait aller voir mes parents. Cependant, il m'avait renié. Et tu me parles de Biora? Tu le connais? Est-ce que c'est ça la réponse à ma question? Tu sais, je viens de cette communauté. Nous avons une façon de faire autour de toute femme que nous voulons prendre comme épouse. Il s'agit de faire recours au passé et savoir le background avant de l'épouser. Je sais ce qui s'était passé. Et je sais que c'est pas bien pour toi. Je suis au courant de la manière dont il t'avait maltraité. Quand ta maman t'avait laissé chez lui, t'avait foutu à la porte. Je suis au courant de toute cette histoire avant de te demander en mariage. Je suis aussi au courant à propos d'affamé Fuma, ton garçon, Nancy. Tu n'as pas à t'inquiéter. Après notre mariage, je vais adopter ton fils et en faire Emia. Et ce garçon, c'est bon à rien de Biora, ne saura plus s'approcher de toi. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors,
numéro qui est-ce? Mais dis-moi, pourquoi tu me poses toujours cette question alors que tu sais très bien que ce numéro devrait déjà être enregistré? Je ne peux pas enregistrer ces numéros si cette personne était précieuse pour moi. Tu le cas, tu fais de m'insulter ou quoi? S'il te plaît, va droit au but, je suis occupée. Très bien, laisse-moi aller voir aux affaires, c'est ça. Quand tu ne peux pas avoir un peu de temps pour le père de ton enfant, hein? Donc, ton ex-mari. Ah, où est mon argent? Je veux mon argent plus tard, à 12h juste aujourd'hui. De quelle monnaie as-tu besoin? Du Naira ou de la monnaie de ton village? De quelle est disponible? Je pense qu'en dollars serait mieux parce que le taux n'est pas élevé. Très bien, où est-ce que je viens pour les chercher? Quand serais-tu capable de me l'envoyer? Sur Facebook ou Messenger? Je ne me présente pas avec toi. Tu penses que c'est une blague? Tu penses que je joue avec toi? Hein? Mais c'est pas tout ceci. Écoute, si je ne vois pas mon argent aujourd'hui au plus tard, 12h, je vais publier tes photos. Oui, sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux que. Non, je te jure, je vais le publier. Toutes les photos que j'ai. Tu m'entends? Oh mon Dieu! Il parle de la honte. Honte? La seule personne pour qui je m'inquiète, c'est Max. Aussi longtemps que je l'aurai, tout le monde peut aller en enfer. Écoute, si tu veux poster cette photo sur Internet, Max m'a dit que je puisse te le dire. Oh, Chidogo! Tu utilises les gens pour me menacer! Tu fais ça avec Max! Pour me menacer! Non, c'est ça, n'est-ce pas? Chidogo, tu peux faire ça! Tu as de la chance que je ne suis pas venu avec la police pour t'arrêter. C'est pourquoi tu dis des bêtises, n'est-ce pas? Seulement tu continues à me distraire avec ton sale jeu de malchanceux, je vais me rassurer de mettre fin à tes ambitions. Et n'ose plus me rappeler. Ne m'appelle plus encore. N'importe quoi. Pouvez-vous imaginer? Tu peux aller le poster. N'importe quoi, et il pense que j'ai peur. Votre Majesté, voilà cette rumeur qui est en train de battre son record dans tout le village maintenant. Le pire, c'est que la femme en question marche librement. Et aussi, l'âme de notre ami a besoin de la justice. Votre Majesté, ma question maintenant est de savoir si nous allons croiser le bras et voir tout ceci se dégrader. Comment êtes-vous sûr qu'elle a tué son mari? Votre Majesté, la rumeur circule partout. Bien. Donc parce que la rumeur circule partout, cela prouve que c'est elle qui a tué son mari. Je suis le Igwe de cette communauté. Donc si quelqu'un me demande à moi pourquoi est-ce que j'ai condamné la femme, je dirais c'est parce que la rumeur circule partout. C'est donc elle qui a tué son mari. Cela ne reflète en rien mon caractère de Igwe, non. Majesté, c'est très important que nous résolvions ces problèmes. Cela est précisément ce qu'on est en train de faire. Nous essayons d'en venir à la racine de ce problème, n'est-ce pas? Bien. Comment sais-tu qu'elle a tué son mari? Qui est-ce qui te l'a dit? Votre Majesté, c'est bien Njoko. Il m'a raconté toute l'histoire. Pas encore, Monsieur Njoko. Quand est-ce que cela va cesser? Tu es venu ici et je t'ai déjà parlé de Njoko. Njoko a cette spécialité de sortir avec les veuves et voilà que tu es là à me parler de Njoko. Très bien, je suis de très bonne humeur maintenant. La prochaine fois que tu arrives à cet endroit et que tu mentionnes le nom de Njoko, non seulement je te bannirai de venir ici, mais je t'enseignerai aussi une discipline. Est-ce que je suis assez clair? Ok. Excuse votre Majesté. Obura. Obura. C'est quoi le problème? Mais qu'est-ce que tu veux dire enfin? Dis-moi. Ma soeur a appelé pour dire que tu la menaces. Pourquoi? Votre relation fait partie du passé. Pourquoi tu rentres dans le passé qui va te consumer? Consumer qui? Consumer qui? Toi-même, bien sûr. Hein? Écoute, va et parle à ta sœur. Dis-lui de faire ce que je lui demande de faire. Et sinon, elle n'aura pas de paix. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment.
Maintenant, va-t'en de chez moi. Ça veut dire quoi cette bêtise que tu racontes? Qu'est-ce que tu vas faire? Donne-toi du respect, oh. Comporte-toi avant que tu ne te compliques la tâche. Attends, Chelo. Tu parles et tu cries sur Obi-Obi. Obiora. Mais comment, hein? Tu peux faire ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter ta maison. Tu viens jusqu'à chez moi ici. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Maintenant, avant que je ne ferme mes yeux et les ouvre, je veux que tu fasses déjà 100 pas. Obiora, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'apprends le nom de Kola. Attends-moi là. Attends-moi. Tu es encore là? Tu es encore là? Oui, reste là. Idiote. Idiote. Ça s'est bien passé, Igwe. Et la porte de l'argent, nous l'avons distribuée à tous les membres de la famille. Et aussi, tout le monde était heureux. Ah, donc c'est réglé, n'est-ce pas? Ça a été finalement résolu, votre majesté. Bien. Bon après-midi, votre majesté. Onuchi, ça va? Oui, votre majesté. Je m'attendais à voir ta mère en ce moment, pas toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est malade, votre majesté. C'est pourquoi elle m'a envoyée. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle souffre de malaria, votre majesté. Quoi? Onuchi n'est pas malade. Oui. Elle était bien portante hier. Elle était tellement forte hier. Igwe, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ok. Onuchi, dis à ta mère que je lui souhaite un prompt rétablissement. Oui, votre majesté. Et je lui accorde encore 5 jours pour qu'elle se rétablisse. Si après 5 jours je ne la vois pas ici, je l'enverrai dès lors au grand prêtre. Hmm? Oui, votre majesté. Tu peux y aller maintenant. Merci, votre majesté. Je t'en prie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, vous êtes là? Hein? J'ai vu le père Monson. Il est sur la route. Il allait où? Vers le temple. Oui, papa. Hey! Ha baraka nduku nduku. Ce père Monson. Ha baraka. Ha buruka nduku nduku. Qu'est-ce que cet homme veut de nous dans cette communauté? Bien. 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 Hé hé hé! Voilà celui que je cherche. Enfin, le voici. Ha kouya! Ha ha ha! Hé! Hey. Révérend père! Ah ha ha ha! Ton menteur a connu un problème. Hein? N'est-ce pas? Ha buruka nanye buruka! Au moins, je crois que dans ce cas, c'est Iburuka qui a porté tout ça. Tu vois comment tu finis? Provoque défier au Gougou. Je pensais que tu avais dit que Gougou n'avait pas de puissance. Tu peux voir ça. Ton menteur a été estropié. Tu vois pourquoi tu es idiot? Pourquoi tu n'utilises pas ta tête? Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Gougou. Un jour que Gougou utilise pour plusieurs objectifs. Des sacrifices. Je pense à l'année qui vient de passer. Tous les désordres que tu as causés. Et je demande à tous nos dieux d'apporter un nouveau vent et une nouvelle vie ici. Mais toi, tu as osé défier Ogugu, tu vois. Tu vois maintenant ce qu'il t'arrive. Et je peux même te l'assurer que ce que tu vois là n'est encore rien. Hé hey! Ogugu a de la puissance. Ogugu a de la puissance. Non, sort ou je ne sais quoi. Peux-tu quitter cette ville maintenant, non, sort et aller sauver ta vie et tout ce que tu as? Hein? Tu doutais, mais maintenant tu as vu. Hein? Ce qui m'étonne concernant vous des petits garçons de cette génération est que vous voulez facilement vous prendre la tête. Vous voulez vous prendre la tête, vous vous croyez grand, vous croyez grand. Vous n'avez rien du tout, mais vous croyez que vous êtes grand et puissant. Tu croyais que tu pouvais défier nos dieux parce que tu avais tellement de confiance et tu as cru que tu pouvais défier tous nos dieux. Hein? Tu t'es juste préparé à aller détruire là où les gens vont faire leurs prières et nos dieux exaucent. Et Ogugu n'avait pas encore dit son dernier mot. Tu vois maintenant, tu as été trop têtu.
Tu gérais tes affaires de loin là-bas. Non, non. Tu as voulu venir ici pour tout détruire. Hein? Révérend Père Nonso ou Révérend Père Nonfa. Père Nonso, Père Nonfa. Écoute mon dernier avertissement. Tu vas maintenant quitter ce village. Et c'est là pour ne jamais revenir. Ici n'est pas le lieu où tu peux opérer. Ceux qui sont venus ici avant toi n'ont pas vécu pour raconter l'histoire. S'il te plaît, il est grand temps que tu t'en ailles d'ici pour ne jamais revenir. Hein? Je te parle. Je t'ai bien prévenu. Va-t'en d'ici. Je ne te parlerai plus. Tu entends? Je ne vais plus t'avertir. Il n'y aura pas un autre avertissement. Hein? J'espère que tu m'as bien compris. Va-t'en. Hey! Agaraka gurem buruku. Kiburake, karekene derem buruka. Nya gen kuku mwanana. Kunya nya gen goja. Stop! Attends là, attends-moi là. Oh Gugu, as mon boss patron qui a l'école ici. Dans quel clic on est clos de l'être de l'année aussi. Mais qu'est-ce que tu as à dire que mi carré à quoi tu donnes? Oh lolo, mais aujourd'hui est le jour tant attendu. Aujourd'hui, le grand Ogugu décidera entre le coupable et l'innocent. Exact. Tu as été accusé par les gens d'avoir tué ton mari. Maintenant, nous sommes devant le Ogugu. Ogugu te laissera partir si tu n'es pas coupable. Maintenant, tiens ce cercueil avec l'une de tes mains. Emmène-le proche de ta bouche. Vas-y, baisse le cercueil. Si tu es innocente, baisse le cercueil. J'ai dit d'arrêter. Tu ne vas jamais gérer en ce nom. Quel est ton problème? Comment oses-tu entrer dans cet endroit secret en prononçant tous ces... C'est blasphème. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent rien voir. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent entendre. Ils ont des nez, mais ils ne peuvent rien sentir. Si Ogugu avait des yeux, alors il aurait vu que c'était Njoku qui a tué Donatus. Hey, Njoku a tué mon mari. Abudomie, il m'a fait ça. Hein? Non, je n'ai tué personne. Ce n'est pas moi, hein? mais de quoi parles-tu? Je t'ordonne dans le nom de Jésus de confesser tes péchés. Qu'est-ce que tu racontes? Le jugement est établi pour le méchant. Oui. L'Esprit de Dieu ne te laissera pas jusqu'à ta confession. Hey! J'envoie le feu sur toi dans le nom de Jésus. Hey! Aburuka, Daniel, Buruka. Je confesse. Oui, j'ai tué. C'était un plan que j'avais contre son mari. Oui, c'est le plan que j'avais contre lui. Oh. Hey, oui, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est moi qui l'ai tué. Oui, je l'ai tué. Je le fais. Je ne peux pas continuer à le nier. Oui, oh. Mon temps est venu. Oh,
Ouais, kulukunene me. Wanye falamo. Que le feu te consume dans le nom de Jésus. Yeah. Hey. Hey. Bikono. Manye falame. Hey. Ah, buruka. Ere buo. I buruka. Hey. Ozuka kwego. Double njoko. Ah, buruka. Ada kwenguruka. Okana. Pourquoi là, pute luke? Oh. Hey. Voici les œuvres de l'homme. Jette ces objets et quitte de là. Je te l'ai dit. Tu n'as aucun droit d'entrer dans cet endroit secret. Attends-moi là. Je reviens tout de suite. Je ne m'en vais pas. Je ne fuis pas. Attends-moi là. Si tu as le culot, attends-moi. Ton impuissance n'a aucun effet sur moi. Est-ce tout ce que tu peux faire? Tu n'as aucun pouvoir. Hein? Ou quoi que tu auras fait n'aura aucun effet sur moi. Parce que je sers le Dieu vivant. Et par sa puissance, je t'ordonne d'être détruit en cet instant. C'est incroyable! Si parable, hey. Charamande Goregada. Merci, Jésus. Hey! Donc, merci, il a tué mon Seigneur mari? Et mon Dieu. Hey! Donc, c'est vraiment lui? Lui qui a tué mon mari? Jésus-Christ de Nazareth, si je le savais depuis, je n'allais pas t'épargner. Hey! Mon Dieu, mon roi, je ne savais pas. Oh, j'étais ignorante. Hey! Abanjere, 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 aban
Tu es aimé pour toujours. Ton pouvoir surpasse la hauteur des collines et plus profond que les eaux. Ton pouvoir est infini. Tu as échoué. Il ne s'agit pas d'échec, Reine Mère. On ne peut donner que ce qu'on a. Ses pouvoirs sont bien supérieurs aux nôtres. Quoi donc suis-je supposé faire? T'inquiète. J'enverrai un autre qui fera ce que le règne de Gougou revienne. C'est là notre point d'échec. Et nous n'allons pas le perdre. J'ai bien peur que cet homme-là ne le laisse tranquille. Il fait des exploits. Des gens comme ça détruisent toujours des sanctuaires. À chaque fois que leur pouvoir se manifeste. Ogugu ne peut mourir. Il peut simplement les distraire. Mais il ne peut pas les détruire. Sa présence à Uwako a réduit la foi que les hommes avaient en toi. C'est par là que tu devais commencer à te battre pour l'éliminer. Je ne savais pas. Je ne savais pas que le jour de la reconnaissance arriverait aussi vite. Je veux me préparer pour cette mission. Je veux utiliser tout mon pouvoir pour le mettre à terre. C'est la promesse que je te fais. Très bien, madame. Je dois partir. Pendant que vous vous préparez, agissez, je vous prie, avec caution. Parce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Ses pouvoirs sont autre chose. Son pouvoir est colossal. Comment oses-tu dire cela à ma présence? Dégage! Que ce soit un avertissement pour vous tous. Bonjour, prenez place. Je ne vous ai jamais vu. Vous êtes de cette paroisse? Oui, mon père, je suis de ce village. Depuis que vous êtes ici, Dieu vous a utilisé pour appeler beaucoup de gens, y compris mon mari. Raison pour laquelle il m'a demandé d'apporter ses présents. Et j'ai fait cette nourriture pour vous. Prenez-le et prenez aussi soin de vous. Voici le chèque. Garde-le, tu vas le lui remettre. Et s'il veut donner à Dieu quelque chose, qu'il l'efface de lui-même. Si Dieu qui vit dans les cieux est fier de lui, il devrait lui aussi être fier de Dieu en le remerciant seul. Eh bien, je ferai ce que vous avez dit. Et pour le bol, je viendrai le prendre la semaine prochaine. Non, ce ne serait pas nécessaire. Voyez-vous, toute paroisse a un cuisinier qui prépare très bien pour le prêtre. Et généralement, le prêtre ne sont pas encouragés de manger de la nourriture préparée en dehors du couvent. Père, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas rejeter ma nourriture. Je les ai fait spécialement pour vous. Vous allez l'adorer. S'il vous plaît, goûtez-les. S'il vous plaît. J'ai apprécié, madame. Mais alors, j'insiste, c'est une question de principe. Je ne mange pas de la nourriture préparée en dehors du couvent. D'accord? Ok, père, merci. Je t'en prie. Je suis désolée de rendre mon insulte. Et vous savez tout ce que j'ai échoué. Et aujourd'hui, c'est le jour tant attendu. Nous allons réunir nos mains comme une équipe.
pour lui mettre à terre. Tout honneur à toi, grande vieille, c'est notre prétend. Que ton règne dure longtemps. Tu es aimé pour toujours. Ton pouvoir surpasse la hauteur des collines. Et plus profond que les eaux. Ton pouvoir est infini. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons encore Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien-aimé, loué soit Dieu. Alléluia. Bien-aimé, loué soit Dieu. Alléluia. I have seen the light of God. I have seen the light, oh, amen, amen. Jesus is the light of God. I have seen the light, oh, amen, amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Certains d'entre vous me connaissent. Le nom n'a pas changé. Mais maintenant, c'est le cas. Et ce nom-là, avant maintenant, était bien sûr Abatine Tuébé. Donne ma Abatine Tuébé. Donne ma Lucifologu Junli. Tu onde mais assim acha? Acha? Mas assim não acha? Anhene né? C'était avant. Je suis maintenant un homme nouveau. J'étais avant un homme très terrible. J'ai commis tellement de choses horribles, des choses inimaginables. J'ai maltraité la vie humaine. Je viens de passer dans un autre camp. Je ne savais pas qu'il existait un pouvoir au-dessus de tout, qui surpassait tout autre pouvoir et qui primait sur tout autre pouvoir. Et c'est à ce même pouvoir que j'ai maintenant compté, que je respecte. Je me suis décidé de donner ma vie. Louez le Seigneur. Je vous prie. Sur mes deux genoux, tous ceux d'entre vous que j'ai offensés, par omission ou non, je vous prie, trouvez une place dans vos cœurs pour me pardonner. Je vous prie. Je n'ai jamais su ce que j'étais en train de faire. Je vous prie, pardonnez-moi. Pardonnez-moi et oubliez. Car maintenant, je vis une nouvelle page de la vie. J'aurais bien voulu attendre jusqu'à dimanche, mais cela aurait été vraiment risqué. Je me suis dit, je vais prendre le risque et venir aujourd'hui, pendant le jour d'adoration, parce que dimanche pourrait être très loin, et personne ne sait quand est-ce que la mort viendra. Alors, j'ai besoin de... Je vous prie. J'aimerais vraiment que vous tous puissiez m'accueillir dans le corps du Christ.
Louez le Seigneur. Alléluia. Bien, il ne reste maintenant plus qu'au Père de faire appel à moi pour un baptême d'adulte et me donner un nouveau nom. L'ère de Ogbatin Sebe est partie. L'ère du grand féticheur de tous les temps est partie. Je suis maintenant pour Dieu, mon cher peuple de Dieu. Il est encore temps. Si vous avez une quelconque intention de faire quoi que ce soit de mal, je vous conseille de désister de cela. Le mal ne paye pas. Le mal ne fait pas quoi? Le mal ne paye pas. En ce moment, je serais un homme mort si ce n'était pas par la grâce des dieux. Alors je vous prie, surtout n'osez même pas emboîter mes pas. Mon passé était vraiment horrible. Mais je remercie Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Et me voici aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Dieu est bon. À tout moment. Et à tout moment. Notre Dieu est bon. Gloire à Jésus. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.